Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture analytique du poème qui s'intitule Conte dans les illuminations d'Arthur Rimbaud. Ce poème situe les événements qui sont racontés dans un contexte vaguement féerique de conte oriental qui rappelle l'univers des mille et une nuits. Mais le thème du poème, c'est le rapport tragique de l'homme à l'absolu. Et c'est une fable de l'échec, comme il y en a beaucoup dans les illuminations, que nous allons lire et que nous allons expliquer. Je vais, si vous voulez bien, vous en donner une lecture pour commencer. Conte. Un prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des générosités vulgaires. Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour et soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez large pouvoir humain. Toutes les femmes qu'il avait connues furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté! Sous le sabre, elles le bénirent. Il n'en commanda point de nouvelles. Les femmes réapparurent. Il tua tous ceux qui le suivaient, après la chasse ou les libations. Tous le suivaient. Il s'amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les taillait en pièces. La foule, les toits d'or, les belles bêtes existaient encore. Peut-on s'extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté? Le peuple ne murmura pas, personne n'offrit le concours de ses vues. Un soir, il galopait fièrement. Un génie apparut, d'une beauté ineffable, inavouable même. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour multiple et complexe, d'un bonheur indicible, insupportable même. Le prince et le génie s'anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment n'auraient-ils pas pu en mourir? Ensemble donc, ils moururent. Mais ce prince décéda dans son palais à un âge ordinaire. Le prince était le génie était le prince. La musique savante manque à notre désir. Alors, nous allons voir dans ce poème trois axes de lecture. Nous montrerons pour commencer qu'il s'agit d'une image de l'insatisfaction que ce prince met en scène, qu'il se livre ensuite ce personnage à une destruction méthodique de tout ce qui lui appartient, de tout ce qui fait son identité. Et pour finir, nous nous pencherons un petit peu sur la rencontre de l'absolu qui a lieu à la fin de ce poème. Alors tout d'abord, c'est une image de l'insatisfaction. Le prince est vexé, nous dit Rimbaud, et on voit dès la première ligne qu'il y a entre le narrateur et le personnage une distance. Bien sûr, le personnage, c'est Rimbaud lui-même, comme vont nous le confirmer tout un tas d'observations qu'on va faire dans la suite, mais Rimbaud, en tant que narrateur, se juge aussi et se met à distance de son personnage. Le mot vexé, eh bien, fait référence à un comportement puéril, un comportement capricieux et enfantin de ce personnage. Néanmoins, Rimbaud y met de lui-même, hein, c'est cette ambiguïté qui parcourt tout le poème dans ce prince. Et ce prince, eh bien, il était vexé de quoi? De ne s'être jamais employé qu'à la perfection des générosités vulgaires. On voit ici l'écho du projet de voyance poétique de Rimbaud, du projet de dépasser les apparences, du projet de viser le très pur amour, comme il le dit dans un autre poème. Et de fouler aux pieds la morale commune et la vie ordinaire. C'est sous forme d'un oxymore d'ailleurs que les générosités vulgaires sont rejetées. Et ensuite, eh bien, il parle des femmes et de l'amour donc, et il oppose dans les lignes qui suivent deux formes d'amour. Une forme tout à fait vulgaire, une forme tout à fait conventionnelle. Une complaisance, hein, nous dit-il. Donc, ce n'est même pas un sentiment, ce n'est même pas un sentiment amoureux. Hein, c'est quelque chose qui mime peut-être le sentiment amoureux, agrémenté de ciel et de luxe, agrémenté d'un peu de religion, donc de ciel ou de superstition même, et de luxe, eh bien, d'argent. Hein, les femmes sont vénales, c'est un lieu commun. Et c'est comme ça que les voit Rimbaud ici. Alors que ce prince rêve de toute autre chose, il prévoyait, nous dit-il à la ligne 3, d'étonnantes révolutions de l'amour, d'étonnantes donc des choses qui sont au-delà de l'imagination et qui sont là pour nous surprendre. Il veut la satisfaction, la vérité. Hein, il voulait voir, nous dit-il à la ligne 5, la vérité, écho du projet poétique de voyance. Ça passe par le sens de la vue, et d'ailleurs, c'est ce sens-là qui va être
sollicité dans la rencontre du génie à la fin du poème, et il cherche l'heure du désir et de la satisfaction essentielle, comme il cherchait dans un autre poème le lieu et la formule. Il y a donc cette volonté de voir, de voir quoi? De voir la vérité. Alors la vérité, c'est pour le versant intellectuel, pour le versant métaphysique, c'est l'expression dans ce domaine de l'absolu. Et pour ce qui est du versant sensuel, eh bien, on a les mots désir et satisfaction, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Alors ce prince, eh bien, passe à l'action. Tous les verbes qui étaient conjugués jusqu'à présent étaient conjugués à l'imparfait, et à la ligne 7-8, que ce fut ou non une aberration de piété, il voulut. Ce verbe au passé simple marque le déclenchement de l'action. Après un autre commentaire en forme de jugement de la part du narrateur, que ce fut ou non une aberration de piété. C'est à partir de ce moment-là, et c'est notre deuxième axe de lecture, que le personnage va s'engager dans une destruction méthodique de tout ce qui lui appartient, comme un enfant vexé, nous disait-il à la ligne 1, et qui va détruire tous ses jouets minutieusement après s'être amusé avec eux. Alors le programme d'extermination est mené avec méthode. Ce sont d'abord les femmes qui furent assassinées à la ligne 10. Et puis ensuite, il tua, nous dit-il, à la ligne 13. Il y a donc une montée en puissance, puisque là, il effectue l'acte de ses propres mains, alors que furent assassinées, la forme passive suggère que quelqu'un l'a fait à sa place. Et ensuite, à la ligne 15, il y a encore un pas qui est franchi. Il s'amusa à égorger, donc dans la cruauté, et dans le sadisme, et il se ruait sur les gens, donc dans la sauvagerie. Revenons sur la première des énumérations, les femmes, des lignes 9 à 12. On a un parfum d'irréalité, et en fait, la destruction est un échec dans cette atmosphère onirique et cette atmosphère orientale. Sous le sabre, elles le bénirent. Eh bien, peut-être le bénirent-elles parce qu'il était en fait impuissant à les tuer. Les femmes réapparurent, nous dit-il. Il y a cet échec de l'acte de destruction. La seconde énumération reprend sous une forme un petit peu plus lapidaire la première. C'est la même contradiction, la même impossibilité. Tous ceux qui le suivaient, il tua tous ceux qui le suivaient, tous le suivaient. Et ensuite, une allusion possible à l'histoire romaine, sans doute à Néron, avec le fait de brûler ses palais. Mais c'est une image de la toute-puissance de l'enfance et de l'échec en fait de cette toute-puissance qui s'affronte au monde. Le monde est surabondant de choses et l'enfant qui s'était engagé dans cette idée de détruire tout ce qu'il avait, eh bien, n'y parvient pas. Le narrateur, une fois de plus, prend ses distances par rapport au personnage et à la ligne 18, il formule une question rhétorique mais ponctuée de façon exclamative qui exprime bien évidemment le jugement du narrateur sur les actes puérils du personnage. Peut-on s'extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté? Point d'exclamation, alors qu'on attend un point d'interrogation, normalement. Signe que la question contient sa propre réponse dans sa formulation. Alors, à la ligne 21, l'action se resserre. Il y a un indicateur temporel, un soir, qui signale au lecteur qu'un événement va se produire. Et cet événement se produit sous la forme d'une apparition, un génie apparu, au passé simple. C'est donc le sens de la vue qui est engagé dans cette évocation, dans cette rencontre de l'absolu. Alors il y a une évocation un petit peu voilée de l'homosexualité, avec cette beauté ineffable, inavouable même, et la promesse, nous dit-il un petit peu plus loin, d'un amour multiple et complexe, d'un bonheur indicible, insupportable même, donc une profusion d'adjectifs qui disent tous la surabondance et l'impossibilité d'embrasser et de goûter les choses. Il y a une ambiguïté sur le mot génie. Le mot génie, c'est à la fois un homme doué de qualités exceptionnelles et un être surnaturel. On est donc entre le monde réel et le monde de la fable, le monde de la fantaisie. Toujours est-il que ce prince et ce génie s'annulent dans la santé essentielle, qui est sans doute une périphrase pour le rapport sexuel.
pour l'étreinte amoureuse. Et il y a une fusion ici à ce moment-là de Eros, les deux principes hein, de l'amour et de la mort, Eros et Thanatos. Le dernier paragraphe, le dernier alinéa, rend, ou l'avant-dernier, si on considère que la dernière ligne forme un paragraphe, l'avant-dernier paragraphe, avec ce connecteur d'opposition, mais rend caduque en fait tout l'énoncé précédent et relègue ce qui a été raconté au statut de rêve ou au statut d'irréalité, de fantaisie sans consistance. Le prince décéda, hein, il y a un vocabulaire administratif presque neutre en opposition avec la mort flamboyante qu'il rêvait, la mort rêvée à l'adolescence, on peut dire. Et puis, hein, donc ce prince et ce génie sont identiques. Le prince était le génie était le prince, formule de chiasme ici. Et ce dernier vers qui est, cette dernière ligne qui est un petit peu présenté sous forme de morale, de moralité en forme de pirouette qui dit l'échec. La musique savante manque à notre désir. Musique, car sans doute symbole plus général de l'accord des choses et de l'accord entre l'être et le monde. Pour conclure, nous pouvons rappeler donc que ce personnage, ce prince, est une image vivante, un symbole de l'insatisfaction qui se livre ensuite à une destruction méthodique de toutes ses possessions et qui, pour finir, rencontre l'absolu, mais de manière un petit peu ambiguë, y succombe. Alors cet échec de la quête de l'absolu, hein, qui est figuré ici dans ce poème Conte et qui est figuré dans d'autres poèmes des Illuminations, je pense par exemple à Aube, ou à Après le déluge, cet échec de la quête de l'absolu à travers la poésie est le préalable pour Rimbaud, hein, quelques mois ou quelques années après l'écriture de ce texte, est le préalable à l'abandon de l'écriture, de la littérature, et à ce silence mystérieux dans lequel il s'est réfugié jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, donc avec cette cinquième lecture analytique, nous en avons fini avec les illuminations de Rimbaud. Je vais, il y a un petit reflet, je ne sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, je vais préparer une vidéo qui va être une synthèse un petit peu de ces lectures analytiques et qui va présenter l'œuvre Illumination de Rimbaud dans la série Une œuvre en 15 minutes. Voilà, vous pouvez me donner des likes, partager cette vidéo, m'écrire vos commentaires, me poster vos questions. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. En attendant, salut à tous.